un bon cube de beurre. On va être généreux parce que ce qu'on veut, c'est arroser les Saint-Jacques. Je laisse monter pour que tout le beurre soit bien brun. Voilà, là, on va être bon. Voilà, là, on a un beurre noisette. On vient positionner les Saint-Jacques. Voilà. Là, ça fait une minute. On regarde si c'est coloré. Ça commence déjà à être un petit peu coloré. Voilà, on va venir la retourner, notre Saint-Jacques. Vous voyez, ça commence à être appétissant, là. Et alors, on va faire ce qu'on appelle arroser la Saint-Jacques. Arroser, c'est comme vous voyez dans les films. C'est venir mettre le beurre au-dessus, comme ça, pour que ça coule dessus. Quel est l'intérêt? C'est que ça fasse bien une cuisson uniforme partout. Si ça frémit pas comme ça, c'est que c'est pas assez chaud. Si ça speed dans tous les sens, c'est que c'est trop chaud. Faut vraiment réguler votre température. Voilà, donc ici les amis, on est bon. On a nos Saint-Jacques qui sont bien la belle couleur comme on aime. Là, ils sont généreusement arrosés au beurre. On va pouvoir venir déposer nos Saint-Jacques. On va en profiter pour les assaisonner vu que ça n'a toujours pas été fait. La fleur de sel de Camargue, on en met quelques grains dessus. Voilà, ça amène toujours un petit plus. Et je vais également mettre un tout petit peu de poivre, mais vraiment 2 grains. Voilà. Ensuite, on peut venir disposer notre Saint-Jacques de chaque côté comme ça. Et faire un point ici. C'est très beau. Vous voyez, c'était pas très compliqué à faire. Et là, vous allez impressionner vos convives avec ça. Je vous souhaite un excellent appétit. Allez, à plus.